Zanmim yo, comment nous y est? Après une semaine difficile, jeudi, c'est le premier jour dans le week-end et je souhaite chaque monde qui a regardé le capitaine là un bon week-end. Merci avec vous-même qui toujours gardez ce score exact, qui toujours commentez, qui toujours partagez vidéo nous, qui toujours like vidéo nous. Ou même qui tombez sur vidéo ça pour la première fois, nous disons merci de ce côté bon un petit temps en temps pour garder nous et tendez nous. Et pour ne pas jamais rater une vidéo nous, nous vous invitons à vous abonner, activer la cloche notification, le ça, ou à rentrer dans la grande famille. Score exact là. De retour, 5 grands championnats européens, yo tourné la caille nous après trêve internationale là et week-end là grand pile bel match que nous bral porter pour. Demain, bien bonheur à 7h, n'a gagné on alléchant Liverpool Manchester City. C'est Manchester City qui a recevoir choc ça, mais a gagné un gros absent dans rang Citizen yo, c'est Erling Haaland. Haaland li blessé. Ça fait plusieurs semaines que le blessé, c'est face à Burnley que Haaland blessé et malheureusement demain matin, il pas gagné présence Erling Haaland et Liverpool ces derniers temps-là, il toujours fait de bons résultats face à Manchester City et malgré Liverpool dans début de saison 1, dans moitié de saison 1, il pas bon mais il a fait une belle victoire sur Manchester City et là demain si tu veux, tous les signes sont verts. Pour Liverpool récidiver et nous connaissons tout, Erling Haaland pas là, ça la pour gros absent et Liverpool gagne pour au moins pour faire 3 points ça pour capable avancer dans le classement. Et si toutefois City t'a perdu demain, laisse ça la quitter un boulevard à Arsenal. Côté City gagne 8 points de retard, bien que il gagne un match en retard par rapport à Arsenal, mais s'il t'a perdu demain, bagala a annoncé vraiment dur pour lui. Pour le tapap champion à nouveau, première ligue là. Mais réponse, c'est demain, n'a pas gagné à partir de 7h face à Liverpool. C'est pas seulement ça qu'a gagné. Arsenal a joué également face à Leeds et n'a pas gagné Chelsea qui a joué face à Aston Villa. Bundesliga en Allemagne, n'a pas 26e journée, n'a pas gagné Bayern qui a joué face à Dortmund. Dortmund, c'est lui-même qui est leader championnat ça avec un point seulement en plus Bayern. Le point en petit, mais quand même, c'est un bel bagaille lié pour Dortmund. Et Dortmund gagne fort à faire là demain, si tu veux, pour lui capable de battre Bayern Munich. Et nous connaissons Bayern, il y a un nouveau coach, c'est Thomas Tuchel. Demain, si tu veux, la prend ben baptême de feu. Et nous connaissons machine bavaroise, son machine qui fait un pile goal. Et Dortmund, tout, il fait un pile goal tout pour moitié de saison ça là et ça pour un bel match il m'a invité toute fanatique exacto garder rencontre ça et c'est Bayern qui va recevoir Dortmund dans Allianz Arena, ça veut dire son Allianz Arena cap tout rouge demain et là pour un bel match et Dortmund lui-même là dans couleur traditionnelle qui c'est jaune et noir et n'a gagné également Leipzig qui joue face à Mainz, c'est bel match ça qui a gagné dans Bundesliga pour 26e journée. En Espagne, n'a gagné Barcelone qui a joué face à Elche, n'a pas 27e journée et Barcelone là, il a gagné 12 points d'avance sur Real Madrid. Elche besoin point, Elche des fois il compte poser problème à gros équipe mais c'est Barcelone sans la présence de Christensen, sans la présence de Dembélé, sans la présence peut-être de Pedri, de Messi, Barcelone gagne 3 points ça pour racher dans mes Elche, il prend déplacement ka Elche et si il fait 3 points ça, il avance encore plus vers Saxa cap éloigné depuis plus de 2 saisons. Et en Italie, n'a gagné Inter cap joué face à Fiorentina et Juventus cap joué face et Las Verón, c'est bel match cap gagné demain et reste match c'est dimanche et demain n'a porté toute information autour de Matsao pour Enabdo PSG c'est dimanche que l'a joué. Hier nous t'ai parlé aux deux directeurs sportifs Tottenham nan, qui c'est ancien directeur sportif Juventus monsieur Baratici, li suspend par FIFA et Tottenham tout profiter dit monsieur n'a fonti camper là parce que on est depuis non un scandale même si moun n'a fait scandale chaque jour li pas ta souhaité non lié avec pièce scandale yo dit monsieur Baratici n'a fonti camper là en attendant que enquête FIFA ta fini et n'a dit que Baratici li yo inculpé là
parce que yo suspect monsieur te nan match truqué l'LT nan Juventus et nous connaissons bagay sa yo son série de bagay que FIFA ou bien fédération kap dirige championnat nan pays respectif moun sa yo yo vraiment sensible pou yo et gen enquête kap mené après si monsieur pas am coupable, il doit reprendre service, mais là pour le moment, FIFA suspend ni et Tottenham li suspend ni et Antonio Conte, nous connaît Jean monsieur ça, il était dans l'équipe là, malheureusement, li pas là encore, Tottenham gagne en pile problème et directeur sportif là nous font campel et affaire à suivre pour Tottenham. Real Madrid l'a joué dimanche si Dieu veut. Mais Real Madrid li gen un pile problème avec l'eau blessé yo qui pas suspend augmenté et gen des joueurs qui étaient blessés et rechuté, c'est le cas de Ferland Mendy. Mendy il était passé plus de 2 mois hors du terrain. Monsieur était retourné et d'après un journal espagnol qui c'est pro madrilène, yo dit que Ferland Mendy il est blessé encore, li rechuté, mais c'est une blessure soléaire au niveau du mollet. C'est là que Français a blessé. Latéral gauche, malheureusement, blessure pas quitté nous jouer pour saison ça. Ferland Mendy, Real Madrid a fait sans Ferland Mendy, malheureusement. C'est ça qui a annoncé et Français a allé rechuté. Pendant qu'on a parlé de Real Madrid, le cas d'Eden Hazard a commencé à inquiéter. Eden Hazard contre la fini dans fin saison 1 et nous connaissons Ancelotti il y a 3 matchs côté a suivi là c'est match ça ou bral dit est-ce que l'a pas avancé ou bien est-ce que Real Madrid a dit merci beaucoup gagné non Zinedine Zidane cap sonné très fort en Espagne et dans la vidéo que m'était fait m'demander nous est-ce que nous pensons que Zinedine Zidane c'est seulement Real Madrid qui capable entraîner et m'était chez en pile monde te dit oui gèle ça vrai. Et Zidane lui posait des conditions, si toutefois pour ta retourner en Espagne, mais conditions Zidane posait. Zidane ni besoin un attaquant cap jouer en France qui est Cherki. Et deuxième proposition pour moi, son opposition qui est indécente, que le fait avec Madrileño, Fok Eden Hazard rete. À la minute que Zidane posait conditions sa yo, gen un joueur là, si toutefois Zidane ta tourné vrai dans l'équipe ça, qui t'a supposé poser tête li en pile question et moi-même si dans place cette équipe là m'ta quitter, joueur ça li rele Vinicius. Bien que les Zidane te là c'est pas joueur te compte jouer avec Eden Hazard, vrai, mais nous tout connaît que Zidane Vinicius c'est bon joueur que l'adulé, c'est bon joueur que le remet et si toutefois Eden Hazard va jouer Vinicius, li pas capable de jouer. Tout simplement, Vinicius a vini regresser. Je pense que agent Vinicius, moun kap gérer en contrat Vinicius, je pense que si toutefois ça t'a fait, faut que Vinicius t'a cherché l'autre équipe pour la évoluer. Parce que en bas, monsieur ça, Vinicius pas chambre capable évoluer. Et malgré nous, Eden Hazard, pas chambre jouer avec Real Madrid, dans 4 grands championnats, et 5 qui gagnent, mais gagnent 4 là, c'est Eden Hazard qui a touché plus scob nan championnat. N'a vini avec chiffre pour Eden Hazard nan Liga, l'a touché 2.25 millions par mois. Suivi de Lewandowski qui 2.17 millions. Nan première ligue là c'est Kevin De Bruyne qui touché 1.95 millions par mois. En Allemagne c'est Mané qui 2 millions par mois et en Italie c'est Vlahovic qui touché 107 millions par mois pour me dire que Eden Hazard, c'est lui-même qui gagne plus gros salaire dans Real Madrid, un joueur qui peut jouer. Il touche plus que Benzema, il touche plus que Vinicius, il touche plus que tout le monde net dans Real Madrid. Et je pense que ça, son club qui gaspillé. Pas oublier que il était débarqué dans Real pour 100 millions. Et son joueur que Florentino Pérez a baillé pression pour mettre le jouer. Ancelotti était bas chance à plusieurs reprises, mais malheureusement, il n'a pas saisi. C'est Vinicius qui était joué une chance pâle. Et depuis lors, Vinicius a baillé bon résultat. C'est Eden Hazard qui a touché Pigo Cob. Et si toutefois, il est bralé, si au pas cédé avec exigence, M. Zidane, il est capable quitter Real Madrid définitivement et comme ça parce que il a mis sous l'autre joueur qui a bail plus bon résultat que Eden Hazard. Dans choc qui a gagné dans première ligue là demain matin, j'aime te dire nous Alan li blessé mais Alan il a beaucoup mettre point d'interrogation pour lui dans match qui a gagné dans Ligue des Champions et n'a souhaité que là parce que là pour belle opposition mais demain j'en nous connais malheureusement Alan li pas
présent. Affaire Messiaen, c'est lui-même qui a fait la une des journaux en France, en Espagne. Messi, nous connaissons que lui son joueur que tout Barcelonais ont aimé et tout ça que le fait pour Barcelone, il a aimé en pile et on t'a souhaité Messi retourner pour on même pour une seule saison, mais directeur sportif Barcelona, Ivan Meschla, il dit oui, il y a pile chance là pour Messi tourner. Mais pour Messi tourner, il y a une série de bagages tout que FC Barcelone va proposer Léo Messi. Pour les bagages que pour proposer Messi, parce que Messi était dit que il a accepté baisser salaire lui, Messi capable toucher moins que 10 millions l'an. Mais dans 10 millions l'an ça, moins que 10 millions ça, Messi gagne pile l'autre avantage que Libral joint. Par exemple, les Barcelone a recevoir match la Kaili, Messi a bon pourcentage sur vente billets. Messi a bon pourcentage sur vente maillot. Messi a bon pourcentage sur sponsor qui va rejoindre le club là si tout fera le tatouner. Ça veut dire que si quelqu'un a ballon, Messi capable de faire n'importe 4 fois plus comme ça dans une saison si toutefois tout bagaille bien passé et nous connaît. Si Messi tourne, des sponsors qui viennent. Mayo a vann vrai, a gen plus moun k ap vin nan stade, ça veut dire que moun yo y a montre sou le papier pa paye Messi en pile cob, mais gen ti bagay la ki pral fè revenu argentin vraiment élevé par rapport à plusieurs autres joueurs k ap joué en Espagne. Et Mbappé lui-même contrat monsieur a fini en 2024, li gen yon année en plus, mais gen en pile question k ap poser est-ce que Mbappé Fabral dans Real, est-ce que Mbappé a prêté dans Paris parce que Mbappé c'est seul joueur quel que soit débâcle Paris fait intouchable, yo pas jamais dou le mal joué, yo pas jamais dou le manquer bail passe, yo pas jamais pointer du doigt son joueur que yo remet, mais qu'on a est-ce que Mbappé l'amour seulement qu'a fait le rester dans l'équipe parce qu'il faut jouer après un titre, Ligue des Champions nous connaissez c'est titre ça qui pi gros titre en club jusqu'à présent la cour idéal chaque année l'éliminer avec Paris sans cité gain pour te prendre malheureusement c'était Bayern qui t'a battu ça a prêté pour nous suivre pour nous est-ce que Mbappé a prêté dans Paris ou bien libéré dans l'autre équipe j'en ont dit là c'est en première ligue qui propose le plus quoi c'est 150 millions que Manchester United propose et mercato ça cap venir là son mercato cap vraiment chaud avec Messi avec Mbappé avec Jude Bellingham que Real Madrid besoin et nous aide aussi à un petit Jean fret sûrement Dortmund a fait marché noir avec joueur qui normal parce que sous un joueur tant Real Madrid a marché d'elle c'est sous lit pour faire cob pour capable sauver et mercato pour acheter l'autre monde mais mercato ça son mercato qui vraiment belle et nous même n'a là pour nous porter toute information pour nous avant nous aller nous allons parler aux deux affaire Negreira c'est Barcelone yo capable suspect là qui capable truquer match Liga li même dit que yo pas jeune ni nan rien c'est UEFA qui a mené enquête fall sous Ligue des Champions si toutefois on ta jeune Barcelone coupable y a exclu dans Ligue des Champions mais Barcelone gèle senti bagay la gèle pas tourner en faveur li mais li gétan dit si on ta exclu dans Ligue des Champions après verdict là l'a demandé en compensation de 100 millions juste pour capable sauver saison parce que si ou éliminé dans toute compétition européenne c'est eux même qui pour bon l'argent parce que Mathieu surtout si Messi pas venir pour ta gagner affluence dans stade l'a besoin corps pour capable faire un bon mercato dans saison qui venir et FC Barcelone libre le fond demande de 100 millions auprès de l'UEFA si toutefois que il t'a coupable et il t'a exclu dans la Ligue des Champions et nous même n'a pas pour nous suivre information ça pour nous porter toute dernière nouvelle autour de information ça pour Victor Osimhen attaquant Napoli malheureusement monsieur li blessé aux adducteurs dimanche li pas jouer et li capable rater quart de finale là face à Milan un gros coup dur pour Naples Osimhen nous connait qui ça représenter pour équipe ça et si toutefois monsieur t'a blessé réellement il pas capable jouer quart de finale aller Ligue des Champions là pour bagaille cap vraiment que Naples pas capable compenser et nous pas espérer ça mais dimanche li pas jouer et nous gain IRM qui va le passer pour connait pour combien de temps que l'a indisponible pour Naples mais c'est une nouvelle qui tombe mal matin pour Napolitain.
fanatique basket yo nan weekend nan ou bien plus exactement dimanche m'ap vini avec tout résultat ou pour parce que nous connaît play-in nan l'ap commencé le 11 ça veut dire que nous bral rentrer nan bagay sérieux et nous même nous gagner des émissions spéciales que nous bral faire autour de basketball là ou pas besoin inquiéter ou ap servi et n'ap commencé faire émission yo les playoffs yo avec play-in nan bral commencer. Merci d'être qu'on t'a regardé, m't'a tendez nous. Moi remets nous en pile, non pas M. Mirland. Bye bye tout le monde. Bon week-end.